Bonjour et bienvenue sur First Look, aujourd'hui consacré au Samsung Omnia 7 et plus particulièrement au nouveau système d'exploitation de Microsoft, Windows Phone 7. Dès le 21 octobre, 5 terminaux sous Windows Phone 7 seront disponibles chez les 3 opérateurs avec des tarifs allant de 1 à 49 € avec abonnement. Des tarifs agressifs au vu de la configuration musclée de ces Windows Phone qui doivent répondre au cahier des charges strict de Microsoft. Processeur 1 GHz, écran haute résolution, capture de vidéo HD, ce cahier des charges permet d'avoir une expérience utilisateur optimale sur tous les terminaux. Un plus pour l'utilisateur donc, mais aussi les développeurs qui n'auront pas à jongler entre les différentes configs. Tous ces Windows Phone ont donc globalement les mêmes spécificités, seul le design et les détails techniques tels le DLNA, un clavier coulissant ou un écran AMOLED comme sur l'Omnia 7 les distinguent. Un nouveau système d'exploitation qui s'appuie sur une interface composée de Hub Univers, des univers qui agrègent tous les contenus relatifs. Le Hub Contact, par exemple, compile vos contacts perso et pro, vous donne accès à leurs fiches complètes, mais aussi à l'actu et au statut de vos contacts en provenance de Facebook, par exemple. Vous pourrez publier, interagir depuis ce Hub, qui finalement centralise toutes vos relations sociales. C'est le principe de base des hubs univers de Windows Phone 7, on retrouve la même logique d'unification pour les jeux ou les photos par exemple. Autre nouveauté, la stratégie multi-écran pour la tribu Microsoft. On trouve sur son téléphone les infos Xbox Live, Gamertag, ses points et à terme la possibilité de reprendre une partie d'un jeu Xbox Live sur son smartphone. Il faudra pour ça attendre les jeux compatibles Xbox et Windows Phone. Windows Phone 7 est donc un OS très intuitif et fluide, la logique d'univers est bien pensée et on ne se perd pas dans les menus. Avec une configuration musclée, l'ensemble est rapide. On doit également cette rapidité au multitâche préemptif. Pour faire simple, le système décide des applications qui tournent en tâche de fond et celles qui doivent être fermées. Comme sur l'iPhone avant le passage sous iOS 4, vous pouvez écouter de la musique tout en relevant vos mails, suivre l'actualité Facebook ou surfer sur le net, pas de problème. Autre similitude avec l'iPhone, pas de slot pour carte mémoire. Pour étendre les 8 Go de mémoire interne, il faudra donc passer par du stockage en ligne. Voilà pour les présentations rapides de l'OS. Passons maintenant au premier Windows Phone 7 de Samsung, l'Omnia 7. Pour se démarquer des autres Windows Phone, l'Omnia 7 dispose donc d'un écran AMOLED de 4 pouces, un affichage confortable et contrasté, notamment pour les vidéos et photos. En dépit de son tarif attractif, 49 € avec abonnement, l'Omnia 7 est bien fini avec sa coque en acier brossé et son revêtement en verre. Tout cela dégage une impression de solidité et de qualité. Bien équipé avec son capteur de 5 mégapixels épaulé par un flash, l'Omnia 7, comme tous les Windows Phone, enregistre des vidéos en HD 720p. Le menu appareil photo agrège par ailleurs les précédentes photos et vidéos. Pratique. Avec Zune et Marketplace, le Samsung Omnia 7 est un excellent baladeur multimédia. Il est possible de pré-écouter ou prévisionner musique, vidéo, tester un jeu avant de l'acheter, un environnement efficace et vraiment confortable. Pour l'achat d'applications, on passe par la CB ou via la facture de l'opérateur, qui prend sa petite com au passage. Pour le moment, on trouve peu d'applis sur le market. Microsoft a indiqué que la qualité des applis primera sur la quantité. À voir dans les faits. L'Omnia 7 se montre correct pour la navigation web, multipoint, fenêtre en plein écran en mode paysage, des paramètres de base en mode portrait, c'est bien conçu. En revanche, le flash n'est toujours pas implémenté et le test ACID 3 s'est révélé catastrophique. Un mauvais présage pour la compatibilité avec les formats du web. De même, le clavier virtuel nous a semblé trop petit. Les touches sont trop proches les unes des autres et n'occupent pas tout l'écran. Un défaut qui touche tous les Windows Phone 7.
La partie connexion est similaire à la concurrence, HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, capteur de proximité, accéléromètre, jack audio, prise micro USB, pas de problème de ce côté-là. Pour le moment, l'Omnia 7, comme les autres Windows Phone, ne gère que quelques formats vidéo HD comme le MP4 WMV H264. Il faudra attendre l'arrivée d'une application plus complète pour élargir la compatibilité vidéo, qui reste un des plus de cette Omnia 7 avec son écran 4 pouces AMOLED. Avec sa batterie de 1500 mAh, l'autonomie est correcte. Nous avons dépassé la journée et demie d'utilisation poussée. Voilà pour ce premier contact avec le Samsung Omnia 7 et Windows Phone 7 qui, vous l'aurez compris, nous a particulièrement séduit. Je vous donne rendez-vous sur CNET pour le test complet, les prises en main des autres smartphones et le focus usage Windows Phone 7. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.